Bonjour à tous, c'est Charlie pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un Twixtidia révolutionnaire qui se nomme Dashboard X. Il est très connu et il est très efficace. Donc pour commencer, nous allons installer Dashboard X. Donc comme je vous le dis, Dashboard X sert à ajouter des gadgets sur le Notification Center, sur le Springboard et aussi en cliquant sur une touche via Activator, donc ce qui est très pratique. Donc vous allez sur Cydia, vous vous rendrez dans Gérer, Source, puis vous allez dans Modifier, Ajouter et vous ajoutez la source suivante. http://iosjailbreaknews.fr/cydia/. Le lien sera bien sûr mis dans la description. Une fois installé, vous ouvrez cette source, puis vous allez chercher Dashboard X qui est ici. Donc il a été créé par Sejori et il est à installer gratuitement au lieu d'être payant sur la source de ModMy. Il sert à ajouter des widgets sur votre Springboard ou via un mouvement activator. Une fois installé, vous pouvez acheter des gadgets ou en télécharger gratuitement sur notre source. Par exemple, nous avons Jukebox qui sert à contrôler votre musique qui est ici. Vous pouvez l'installer aussi et je vous expliquerai comment le mettre dans cette vidéo. Donc une fois tout ceci de fait, vous sortez de Cydia. Puis, vous aurez une icône Dashboard X qui sera apparue dans le Springboard. Vous pouvez cliquer dessus et modifier ce que vous voulez. Avant, je vais vous apprendre comment mettre des widgets sur le Springboard. Il suffit de cliquer, de rester appuyé ici et d'enlever son doigt et de réappuyer. Et vous verrez apparaître Add New Widget. Vous avez Jukebox, SB Setting, Stock Widget, Wither Widget, and Serum Widget. Donc par exemple, si je mets Jukebox, Add, ici, Jukebox apparaît. Donc voilà, je quitte et vous observerez qu'il apparaît ici. Aucune chanson ne joue, c'est normal. Je peux en ajouter d'autres ou en supprimer. Par exemple, je pourrais ajouter NCRAM ou je pourrais ajouter d'autres musiques. Donc voici une musique qui démarre. Donc ça prouve que le logiciel marche vraiment bien. Ensuite, je peux ajouter NCRAM ou la météo, ce qui est pratique. Ici, voilà. Donc, vous quittez. Vous pouvez la supprimer. Ensuite, pour le faire via un mouvement activator, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Activation Method, ici, et par exemple, appui simple sur la barre de statut. Ou appui double. Ou glisser vers la droite, n'importe, maintenir par exemple. Puis vous maintenez ici la barre de statut et voilà ce qui apparaît. Voilà, donc c'est vraiment très joli, c'est très bien adapté. Et pour sortir, vous cliquez sur le bouton Home. Donc moi je sors ici. Voilà, donc je vous ai à peu près tout appris. Maintenant vous pouvez faire ça avec toutes vos applications, vous pouvez en télécharger sur notre source, il y en a des tonnes. Voilà, c'était Charlie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.